Cette image d'un stade de Munich aux couleurs du drapeau LGBTQI, vous n'avez pas pu la voir lors du match Allemagne-Hongrie le 23 juin. L'UEFA a interdit à la ville de Munich d'arborer ce drapeau sur l'Allianz Arena. L'ambition de la ville était pourtant de dénoncer une future loi anti-LGBTQI du gouvernement hongrois. Quand l'UEFA décide de s'opposer à ce drapeau, il décide de ne pas prendre position. Et quand on ne prend pas position, c'est une forme de complicité. Cette décision a rapidement suscité une vive controverse, auprès de sportifs d'abord comme Antoine Griezmann. Et puis des politiques français et européens ont aussi réagi. Je pense que l'UEFA s'est un peu pris les pieds dans le tapis parce que, en fait, sa décision de refus est aussi une décision politique. Défendre l'égalité, c'est pas attaquer telle ou telle loi du gouvernement hongrois. C'est pas une opinion politique. C'est, je crois, des valeurs fondamentales. Also, erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. The Hungarian bill is a shame. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union. C'est un exemple typique qui nous montre que on ne peut pas ne pas prendre position quand il en vient des droits LGBT en Europe. Les compétitions sportives sont politiques par essence. Le sport est politique, il l'a toujours été. Face à ce tollé, l'UEFA n'est pas revenue sur sa décision. Mais elle a choisi d'arborer l'arc-en-ciel sur son logo, une opération de communication visant à faire oublier la polémique. Il me semble que l'UEFA, malgré ses tentatives de communication, de promotion du drapeau LGBT sur Twitter, n'arrangera pas cette erreur qui a été faite et qui les rend, à mon avis, perdants de ce match-là, en tout cas. Faute de pouvoir éclairer son stade, la ville de Munich a décidé d'arborer l'arc-en-ciel sur de nombreux monuments, dans les magasins, les transports et même dans les journaux. C'est très intéressant parce que, au-delà du football, cette polémique en fait montre des clivages très importants qui existent au sein de l'Union européenne, avec par exemple donc la Hongrie, la Pologne, qui font passer ou qui tentent de faire passer des lois anti-avortement, anti-LGBT, et qui vont vraiment à l'encontre des valeurs d'autres pays de l'Union européenne. Ce qui est le plus surprenant, par contre, c'est la réaction de l'UEFA.